doit changer demain. La tradition elle-même doit changer. Toute violence faite à l'égard de la femme doit toucher à sa fin. Nos voix doivent se faire entendre. La femme doit être reconnue. Ceci est une guerre. We've been maltreated for a very long time. Someone needs to stand up and say it's enough. Oi, we are human, we are not slaves. We are important, enough is enough. Oh, 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 oh. Enough is enough. Oh yeah. And I got iwe, iwe. And I got iwe, iwe. Pourquoi ne veux-tu pas me comprendre? C'est quoi avec toi? Pourquoi la désobéissance? Que cela veut dire? Petite femme que tu es, femme inutile, c'est quoi ça? Allez, viens ici. Tu te joues de moi? Tu te prends pour qui? Allez, viens ici, viens ici. Debout, mets-toi debout. Folle, stupide femme, une femme insensée. Allez, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Juste regardez comment il est en train de maltraiter cette innocente. Où est la place de la femme? Je vais te tuer. Stupide. Ok, tu ne veux pas te tenir debout? Ok, ça va, laisse-moi te tirer alors. Ok, stupide. Mais nous n'avons nulle part où aller et personne ne nous désire. Nous sommes tellement fatigués d'être rejetés par les hommes. Leur jugement est finalement tombé. Ils se prennent pour des dieux. Mais ne vous inquiétez plus. Mais le jour du jugement approche bientôt. Juste après que tu vas te blesser. Viens ici, viens. Viens ici, femme insensée, sans valeur, stupide. Debout, debout, tiens-toi debout, imbécile, stupide. Tiens-toi debout, viens voir. Femme inutile, viens regarder. Viens, viens, viens par ici. Regarde, stupide, tu veux me fuir. Reviens, reviens, reviens ici. Regarde un peu ça, hein. Regarde ça toi-même. À coup d'eau, hein, hein. Dis-moi, c'est quoi ça cette bêtise? Donc tu m'as regardé dans mes yeux et tu as l'audace de me donner seulement un seul morceau de la viande. La nourriture sans la viande, un homme de valeur de ce village comme moi. Tu as échoué. Écoute, tu as échoué. Stupide. Attends, attends, attends. Je te le fais manger toi-même. Allez, mange ça. Y compris de l'eau. Allez. Femme insensée. Oh mon Dieu. Êtes-vous venir pour intervenir? Il n'y a rien que vous allez faire. Folle que vous êtes. Regarde-les. Telle mère, telle fille. Les inintelligentes. Je ne sais pas d'où est-ce que vous venez. Les imbéciles. Je n'ai pas encore fini avec toi. Ça, c'est quelle insulte! Une abomination! Mais arrête-toi! Hein? Ne sais-tu pas que nous avons même besoin de la salutation? Quelle bêtise! Je suis désolée, Ichi. Désolée. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Désolée, pardonnez-moi, bonjour. Que ça ne se répète plus. Je les prends pour une erreur. Que ça ne se répète plus. Cela ne va plus se répéter encore. Tu as vraiment raison de t'excuser. Désolé. Je pense que tu as compris. Oui. Bonjour. Toi, Ichi. Ichi, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Toi. Ferme ta bouche. Ezekiel. Ichi, ferme ta bouche. Regarde-moi cet ancien. Tu essaies d'intimider une femme? Attends d'abord que je te dise. La prochaine salutation illégale que tu auras dans ces villages, ça sera d'un fantôme. Oui, et puis il va commencer à te suivre. Ichi. Et puis tu vas commencer à fuir. Tu vas fuir. Il va juste t'embrasser et puis tu vas mourir. Regarde-moi cet ivrogne. Regarde-moi celui-ci. Tu penses que tu es un homme à qui je peux me confronter?
Tu n'es qu'une femme. Tu n'es qu'une femme. Non, dis-moi d'abord, qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle te salue? Hein? Tout ce que tu sais faire, c'est juste essayer d'impressionner. Un ancien stupide. Est-ce que tu regardes combien tu es stupide? Et si c'était pas à cause d'autre chose, j'allais gifler cette bouche qui a bu de l'alcool. Et tu vas entendre « pii » dans ta bouche. « Pii ». Et tu verras comment quand je vais te taper, tu vas perdre tes dents. Si tu blagues, tu vas perdre des dents. Tu vas même perdre 7 dents. Et tu verras comment ta bouche va commencer à gonfler. Mais c'est pas à cause de... Non. Si c'était pas à cause de cette raison-là. Attends. Si ce n'était pas pour des raisons, j'allais vraiment te taper. N'importe quoi. Un jour, moi-même, je vais m'occuper de vous. Je vais m'en charger de vous. Très bientôt, hein. Un ancien stupide. Va remercier. Il ne veut même pas voir une femme. Dieu. Et quand tu vois une femme, c'est pour faire pia 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 pia. Ne vous inquiétez pas. Moi-même, je vais m'en occuper. Papa ne peut pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas. Je crois qu'il est temps de revendiquer nos droits. Hippo, que veux-tu faire? Je vais lui enfanter. Quoi? Que veux-tu faire? L'affronter? Je ne pense pas que tu es sérieux. Je la soutiens. C'est vraiment de trop. Oui, on doit arrêter, papa. Je vous soutiens, mes soeurs. J'aurais souhaité que vous lui étiez sa raison. As-tu perdu la tête? Ai-je perdu la raison? Comment? C'est parce que tu ne sais pas qu'est-ce que la tradition. Tu ne sais pas c'est quoi la tradition. Toi, une femme, affronter ton père, un homme dans cette communauté. Tu n'as plus envie de vivre ou quoi? Tu veux mourir? As-tu oublié la peine que tu recevras après avoir fait ça? Maman, je crois que c'est le temps pour moi d'affronter mon père. On ne peut pas continuer de souffrir parce que nous sommes des femmes. S'il te plaît, ma fille, ne fais pas ça. S'il te plaît. Et que faites-vous encore ici? Peux-tu quitter là-bas et aller me préparer quelque chose à manger? Que fais-tu encore ici? Que fais-tu ici? Telle mère, telle fille. Stupide. Je suis âgeux. Jusque-là. Je n'ai pas encore eu un garçon. C'est lui qui fera la relève quand j'irai me rencontrer avec mes ancêtres. J'ai renvoyé de chez moi 8 femmes parce qu'elles n'ont pas pu mettre au monde après plusieurs années. Au moins une qui a mis au monde 3 filles. Qui sait? Peut-être celui qui est encore dans son ventre, c'est encore une fille. Oh Dieu de nos ancêtres! Venez à mon aide. Je ne suis plus jeune et je ne veux pas que ma lignée soit effacée. Bonjour papa. Bon après-midi papa. Salut mon mari. Et d'où viens-tu comme ça? Mmh.
Mon mari. Je devais aller au champ pour vendre quelques ignames. Quoi? Qu'as-tu fait? Étais-tu allé où et faire quoi? Es-tu folle? Est-ce qu'il y a, ça ne va pas avec toi? Tu es allé au champ aller chercher les ignames sans ma permission? Et c'est juste ça? Laisse-moi te dire alors. Tu as commis 3 offensés. 3. Première. La femme n'a pas le droit d'aller au champ pour récolter les ignames sans la permission de son mari. Et vraiment, à mon avis, je ne t'ai jamais donné aucune permission d'aller au champ. Deuxième offensé. Tu t'es réveillé ce matin. Ton petit cerveau qui ne fonctionne pas, ça ne t'a pas dit qu'il faut penser qu'est-ce que ton mari va rester manger avant de t'en aller au champ. Tu as quitté sans me considérer, moi, ton mari. Troisième offensé. Tu ne m'avais pas salué, c'était une salutation d'offensive. Tu n'avais pas nécessairement la considération pour moi de me saluer avant de quitter la maison. Tu n'en avais pas. Tu es parti seulement au champ pour aller chercher les ignames. Ça, c'est vraiment un sacrilège. Désolé, mon mari. Ces ignames, c'est ce que j'avais prévu de préparer aujourd'hui pour la famille. Hey. Comme nous n'avons plus à manger dans cette maison, mais pour la salutation, je ne voulais pas interrompre ton sommeil. Voilà pourquoi je ne t'avais pas salué avant d'aller au champ. J'avais couru vite au champ pour prendre ces ignames, pour que je les prépare avant que tu ne puisses te réveiller pour aller travailler. Mm-hmm. Est-ce que tu t'entends parler? Quelle stupidité que tu as! Tu m'avais vraiment regardé et effectivement tu m'as insulté en planifiant de préparer les ignames que moi je vais manger comme déjeuner. Et directement là tu me prends pour une chèvre. Tu vas aller préparer les ignames et venir me les donner pour manger comme une chèvre. As-tu vu toi-même? Tu vois combien tu m'as insulté? Voilà pourquoi les femmes de ce jour, effectivement comme toi, tu n'as ni même pas moindre respect. Vraiment, tu ne me respectes pas en tant que ton mari. Et celle-ci, c'est une autre offense. Naï, je ne voulais pas t'interrompre. Tu la fermes. Ferme-la. Tu vois toi-même. Tu t'attends parler? Tu es vraiment une paresseuse. Paresseuse de toutes les femmes. Écoute. Si tu étais une femme vertueuse, ce que tu devrais vraiment penser, c'est comment te réveiller de grand matin et si possible, me faire un signe pour que je me réveille aussi. Comment tu peux faire semblant que tu n'as pas voulu me réveiller? Me faire seulement un signe pour que je me réveille et arranger mon petit déjeuner avant de quitter. Et tu as refusé de faire ça. Tu es allé au champ sans ma permission. Ça, c'est un sacrilège contre les dieux. Mais ferme ta bouche, je continue à parler. La paresse, voilà comment elle a fait de toi. Elle a affecté même ton humeur. À cause de ta paresse, tu n'as pas pu mettre au monde les garçons. Seulement le fils que tu as mis au monde. Vraiment, tu donnes sens aux filles comme, tu sais, comme des sorcières. Que je peux faire de tout ce que je veux. En place et lieu de mettre au monde un garçon que je cherche pour faire la relève après moi. Nous avions vu dans notre communauté que les femmes sont au chômage. Elles ne regrettent de rien. Mais ce que tu sais faire, que de mettre au monde. Le fille, tu vois toi-même ce que la paresse t'a rendu? Mais Naï, je ne suis pas les dieux qui donnent des enfants. C'est leur volonté. Silence! La volonté de qui? Hé! Hey, mon Dieu! Une autre abomination. C'est une grande offense. Comment peux-tu associer les dieux à ta vie de misère pour te donner les garçons? Comment oses-tu? Comment oses-tu? Alors, je te préviens. Il est mieux de prier à tes dieux, pas à nos dieux. Prie bien à tes dieux que ce que tu as dans ton ventre, qu'il soit un garçon. Si c'est une fille, tu vas rentrer à la maison de ton père. Idiote, stupide. Insensé. On verra. On est
saladio Mutegasa Gine kaye mezio Mutegasa Mutegasa Mwifeno Mwane badouni Gine kaye mezio Mutegasa. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton mari? Mon mari, il veut... Mais qu'est-ce qu'il veut? Toi là, toi, tu penses que tu peux fuir? Tu peux fuir, toi? Hein? Tu n'es qu'une folle. Attends, je vais te frapper. Jamais déposer ta main sur moi. Es-tu malade? As-tu perdu la tête? Adougou, tu peux me dire depuis quand tu m'adresses la parole de cette façon? C'est vraiment une question stupidité, hein? Qui ne mérite aucune réponse. Je vois. Toi, tu combats les anciens dans ce royaume? Ne t'en fais pas. Tu vois la rivière dans laquelle tu nages? Tu vas t'y noyer. La rivière peut être large et profonde. Mais certainement, elle peut être traversée. Hein? On verra. On verra. Adougou, on verra. On verra. Il n'y a pas de problème. Mais toi là, tu verras. Hey! Hey, mon Dieu! Idiot. On verra. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Hey, merci. On verra. Peux-tu stopper ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a forcé de coucher avec lui. Il m'a humilié un peu. Regarde comment il m'a fait. Mon Dieu, tranquillise-toi, hein? Ça va aller. Mais pourquoi les permets-tu de te faire souffrir? Pourquoi? Pourquoi dans cette communauté les femmes sont tellement lâches? Pourquoi? Je ne sais pas. Il est très méchant. Hey. Hein? Oh, Nago! Oh, Nago! Hein? Oh, Nago! Oh, Nago! Oh, Nago! Tu es où? Oh, Nago! Hein? Oh, Nago! Lève-toi, idiote! Imbécile! Oh, Nago! C'est toi le problème. Oh, Luago, c'est toi le problème. Mon mari, qu'est-ce que je fais? Tu me poses la question? Oh, Luago, tu prends les luxe de me poser maintenant la question? Hein? Je suis désolée, maman. Mais si je te demande qu'est-ce qui ne va pas, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que la casserole fait en étant vide? Hey. Pourquoi est-ce que cette casserole-là est vide sans nourriture? Oh, que la casserole se crée de la nourriture. Non. Hein? Non, mon mari. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée. J'étais partie marcher. Quand j'étais rentrée, je me sentais fatiguée. Et j'ai essayé. Après... Hey! Oh, Noado. Tu es fatiguée. Non. C'est bien. Continue d'être fatiguée. Continue de dormir. Je vais simplement aller chez le roi pour lui dire, ainsi que son cabinet, que ma femme a refusé de préparer pour moi. Non, c'est bon. Ne t'en fais pas. C'est bon. Merci. Non, passe. Pardon, mon mari. S'il te plaît, je t'en supplie. S'il te plaît, mon mari, s'il te plaît, j'ai besoin pour toi. Maintenant. Vas-y, prépare pour moi. Depuis l'hôtel, là, tu ne pouvais pas te porter tes babouches. C'est maintenant que je vais porter les babouches.
Tu es comment toi? N'importe quoi. Les femmes, comment vous réfléchissez? J'ai juste la corde de 30 minutes. Tu dois tout finir dans 30 minutes, idiote. Ngodibé! Ngodibé! Ngodibé, où est-ce que tu es? Mes salutations, papa. Garde la salutation à toi-même. Papa, c'est quoi le problème? Ton mari est mon problème. Oui, ton mari, Ngodibé, est mon problème. Papa, désolé, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a fait? Qui es-tu pour m'interroger, femme? Hein? Papa, je m'excuse, j'essaie juste. Demande à ton mari, Ngodibé. Oh, tu es Naudo, est-ce que ça va? Hein? Alors, tu es ici, hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Vraiment, tu as refusé à me restituer de l'argent que tu m'as emprunté. Ça fait combien de temps? S'il te plaît. Hein? Mon cher, n'écris pas beaucoup comme ça. Hein? S'il te plaît, je ne voudrais pas que ta voix puisse augmenter. Je t'en supplie. Et si, les gens verront et ils viendront vers moi. Et pensant qu'on est en train de se battre. Mais on ne se bat pas. Hein? On ne se bat pas, bien sûr. Mais je ne veux pas qu'ils entendent ça. J'aime que les gens entendent. J'aime ça. L'argent que tu m'as prêté depuis quelques semaines passées et tu m'as promis de me le restituer dans 2 semaines. Alors, tu vois, cela veut dire que tu ne veux pas me le restituer. Ne parle pas, hein? Toi, pardon. Moi. Hey. Ah, non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Je suis allé partout ailleurs pour chercher de l'argent à te payer. Mais tu sais, les conjonctures actuelles, les choses sont dures. Je suis en train d'essayer de voir comment je peux réunir ton argent pour que je puisse te le donner en entier quand tu viendras. Raison pour laquelle tu vois comme si mais je suis sûr, pour être sincère, je vais te payer ton argent, mais accorde-moi du temps. Oui, c'est si tu m'accordes du temps, je vais te payer. De maintenant, je te donne encore 1 semaine. Si tu ne me les restitues pas toujours, alors tu verras ma deuxième face. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? S'il vous plaît, papa, hein? Papa, est-ce que tu m'as bien compris? S'il vous plaît, hein? Il va vous payer votre argent. C'est juste comme il venait de dire que ces derniers temps, les choses vont un peu mal. Mais d'ici là, il va en finir avec. S'il vous plaît, papa, il va vous payer votre argent. Ah! Tu me parles comme une gamine, c'est ce que tu es. De toute façon, je suis là pour parler à ton mari. Mais non. Une pauvre femme qui n'a rien à m'offrir comme toi là. Ngodibé, hein? Maintenant que je t'ai donné 1 semaine, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, je viens de t'ajouter encore une autre. Si tu ne le fais pas, tu verras ce que je ferai de toi. Mon mari, s'il te plaît. Tu dois faire un effort juste de lui payer son argent. Stupide! Est-ce que je t'ai demandé de t'ingérer dans cette affaire? Est-ce que je t'ai demandé de venir et mettre ton avis dans cette affaire? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Est-ce que je t'ai demandé de venir et t'ingérer dans cette affaire? Je sais juste... Tu peux te taire! Qu'est-ce qu'une femme comme toi peut t'apporter au monde? Qu'est-ce qu'une femme comme toi peut t'offrir? Est-ce que j'ai demandé ton aide? Écoute-moi maintenant, à tout moment que cet incident se répétera encore, je vais vraiment m'assurer que tu puisses perdre toutes tes dents avant de t'envoyer sur la maison de ton père. Regarde-moi son visage comme une idiote. Je vais te frapper, idiote bêtisante. Et tu veux aussi m'aider? Suis-je en train de chercher de l'aide? Ne suis-je pas un homme? Pour que toi, une femme, tu puisses venir aider un homme. Je pense que je dois commencer à donner à cette idiote une bonne leçon après chaque bêtise. We are humans too, and we are never slaves. We should have a say and make our own decisions. We are humans too, and we are never slaves. Man, I can never move, can't you remember when you're yours?
onye ekwula nyo onye asala nyo gini ka ihe mezio mwanyi bukwa ife no mwanyi baru nukno bodo do not look down on the women oi oh justice continue till when until when shall we feel free to end? Mon mari, je te salue. Mon mari, c'est avec tes salutations que je vais m'enivrer. Tu es en train de dire indirectement que je suis mort. Non, mon mari, comment je vais t'appeler un cadavre? Comment? Je suis juste en train de te saluer et tu ne m'as pas répondu. Je vais me rendre au champ, prendre mes pièges. Et où est ma nourriture? Hey, mon mari, désolé, tu sais, tu n'as pas mangé tout. C'est pourquoi laisse-moi me rendre au champ. Après cela, je vais me rendre au marché et je vais te donner l'argent pour que tu donnes à ces messieurs-là, s'il te plaît. Quoi? Tu es maintenant en train de décider de ce qui est de mon avenir? Non, mais ça commence déjà mal. Une femme comme toi peut se décider de ce qui va m'arriver? Non, hey, non. Hey. Mon mari, comment je vais maltraiter mon mari, le maître de la maison? Non. On voit l'audio. Je suis une femme mariée. Une femme mariée. Olédo. Mon mari, je veux juste que tu sois heureux. Olédo. Mon mari. Je vois que tu te réjouis de la liberté que je t'ai toujours donnée. Oui. Tu t'en réjouis depuis toujours et maintenant tu veux abuser. Non. Je veux te voir à genoux. Je dis, je veux te voir à genoux. Mon mari, je suis enceinte. Tu veux tuer mon enfant? Je me fous le fait que tu sois enceinte ou pas. Je veux que tu t'agenouilles. Je vais te forcer à le faire. Oh non, mais je pense que tu veux me montrer que tu es maintenant l'homme de cette maison. Oh non, Edo. Il est maintenant clair que tu es en train de me montrer que c'est toi l'homme dans cette maison. Je t'ai demandé de t'agenouiller. Agenouille-toi, agenouille-toi, idiote. Où est mon enfant? Je demande de savoir où est mon enfant. Où est mon enfant? Ta femme était dans un profond coma à cause de la façon dont tu l'avais tapé. Elle a donné naissance à un mort-né. Quoi? Donc vous deux, vous ne pouvez pas sauver la vie de mon enfant. Vous l'avez laissé mourir à cause de votre ignorance. C'est ça? On n'a pas laissé l'enfant mourir à cause de notre ignorance. Il était né prématuré. Et je ne peux rien faire pour ça. C'est toi qui l'as causé. Comment oses-tu? Comment peux-tu porter ce genre d'accusation sur moi? Pardonne-moi. Et tout ça, c'est à cause de sa stupidité et sa désobéissance qui a fait que je puisse perdre mon fils.
Quand une femme oublie sa place et cherche à prendre celle de l'homme, à quoi vous attendez-vous? N'est-ce pas les résultats? Pardonne-moi, mais ce n'est pas normal de taper une femme enceinte, quel que soit le problème que vous avez. Et tu continues de parler. Sors de ma parcelle. Va-t'en! Sois forte, ma chère. Je te réveillerai. Et toi, sale petite folle, qu'est-ce que tu continues à faire là debout? Va-t'en! Ah! Mon mari. Je veux savoir d'où est-ce que tu viens. Eh, mon mari, je viens du champ. Je t'avais dit où et tu étais d'accord. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Viens à la maison maintenant. Hein? Mais... Hein? J'ai dit viens dans la maison immédiatement. Mais, mon mari... Qu'est-ce que signifie ces mots que tu as dit? Je t'ai dit que j'ai besoin de toi dans la maison et tu me dis mais... Mon mari, je dois rentrer. Est-ce que c'est ton affaire être sale ou pas? Je devrais être celui qui doit te dire que tu es sale ou pas. J'ai dit que tu n'es pas. Viens à la maison immédiatement et tu me dis que tu es sale. Et fais-moi plaisir, c'est ce que je veux. Mon mari, je ne comprends pas. T'es rendre comment? Ok, tu veux que je parle? Oh, il n'y a pas de problème. Je veux que tu puisses venir ici à la maison pour qu'on remplace les fils que tu viens de tuer. Voilà pourquoi je veux que tu puisses entrer, pour que tu puisses remplacer ce garçon maintenant. Est-ce maintenant clair pour toi? Le médecin m'a interdit. Oh. Il a dit que je ne vais pas coucher avec mon mari jusqu'à ce que je finisse avec tous les traits. Hey! Et qui est-ce que cette stupide femme guérisseur? Et qui doit donner des ordres sur ce qui doit se passer dans ma propre maison? Non, je vais te demander, dis-moi un peu, qui est cette femme? Hey. Est-ce qu'elle est devenue folle? C'est devenu mon mari. Je suis sûre que je suis en train de saigner. Ce n'est pas encore fini. Juste pour ce moment. Bientôt on va répondre tout. Sinon, ça risque d'affecter mon corps. Qui est cette bêtise que tu dois te dire quand tu dois faire l'amour avec moi et quand tu ne dois pas le faire? Et qui est cette personne? Personne. Viens ici. Lève tes yeux ici. Tu es une femme stupide. Tu ne vois absolument rien. Tu es une idiote. Viens, idiote que tu es. Tu vois quoi, toi? Reviens ici. Reviens. Idiote. Toi, tu n'es qu'une idiote. Lève-toi. Allons-y. Idiote. Qu'est-ce que c'était? C'est quoi son corps? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand je supporterai la maltraitance de cet homme? Jusqu'à quand cet esclavagisme prendra fin? Je suis fatiguée. Je deviens malade à cause de tout ce qui se passe. Je deviens malade. Tu n'as pas été fatiguée, ma chère.
Notre rédemption arrive. Je sens notre libération. Parce que je sais que cela approche. Les dieux ne sont pas dormis. Tu dis que les dieux ne dorment jamais? Ils ne dorment jamais. Ils ne voient pas ce qui se passe dans cette communauté. Ils ne voient pas comment les femmes n'ont pas un mot à dire. Les femmes sont vraiment maltraitées. Ils ne voient pas. Non, la tradition de cette communauté nous plaît-elle? Les femmes dans cette communauté n'ont aucune valeur. Notre opinion n'est rien. Les femmes dans cette communauté ne sont rien pour les hommes. J'avais posé des questions. Personne n'était capable de répondre à cela. Ceci est une histoire pour un autre jour. Nous verrons comment te ramener dans la maison de ton mari. Jamais! Je ne dois plus rentrer dans cette maison. Oui, je dois me rendre chez le roi et lui parler. Toutes ces souffrances. Tu feras l'erreur le plus grave de ta vie. Si seulement tu essaies de le faire. Qu'est-ce que tu dis? Juste comme toutes les femmes de ce village, j'ai aussi ma propre histoire à partager. Je l'ai mise à l'écart. Bonjour, Eloago. Viens ici. Avance. Adougou, quand est-ce que tu mettras au monde? Et en plus, quand est-ce qu'elle va donner naissance d'un garçon? Je ne comprends pas ta question. Ne me prends pas pour un fou. Ne réponds pas une question à une autre. Quand est-ce que tu mettras au monde un garçon? Mon mari, nous sommes encore trop jeunes. Nous n'avons pas encore vieilli. Les enfants viendront pour... Tu es une folle. Comment oses-tu me parler ainsi? Désolée. Hein? Il est mieux de planifier comment me donner un fils. Stupide. Dégage d'ici. Stupide. Ne t'inquiète pas. Hein? Il n'y a rien. Ok? L'amour, oh, c'est vraiment l'amour. Oh. Inge, l'amour, oh, c'est vraiment l'amour. Oh. Mon mari. Depuis que je travaillais ce matin, je ne t'ai pas vu. J'étais inquiète. Où étais-tu? Et vraiment, qui es-tu pour te dire tout ce que je vais faire? Je suis ta femme. Je suis ta femme, Mouti. J'ai le droit de savoir où... Contrôle ta langue. Ma jambe. Hein? Désolé, désolé. Hein? Désolé. Oh? Maintenant, ça va? Hein? Maintenant, ça va? Ok, désolé. C'est bon? Oui. Je vais bien. Merci. Ok. Pourquoi me poses-tu cette question? Je ne m'attendais pas. Je vais répondre à ta stupide question. Elle s'appelle Ify. Elle est du village voisin. Et elle est ici pour faire avec nous quelques jours. Séjourner avec nous étant que qui? Comme quoi? Je ne comprends rien.
Oh, s'il te plaît, nous avons passé beaucoup de temps ici. Et tu sais que les gens de notre royaume n'aiment pas ces gens trop. Pour l'instant, j'ai envie de prendre un bon bain, prendre quelque chose et ensuite passer une bonne nuit. Puis-je entrer maintenant? C'est ça. Merci. Tu l'as bien entendu. Va lui préparer déjà de l'eau chaude. Et excuse-moi. Commence déjà à préparer la nourriture pour elle. Pardon? J'ai dit immédiatement. Allons-y. Hein? Adougou, l'eau est déjà prête? Oui, c'est déjà prête. Je crois que ce n'est pas chaude. Non, non, pas de problème. Ok. Ma chère. Ah. Oh. Hein? Ça tu commence mal. Oh, vraiment? Oui. Pourquoi tu es resté planté là? Va plutôt me chercher de l'eau, je vais prendre mon bain, au lieu de rester planté là en train de regarder. C'est quoi tout ça? Calme-toi, calme-toi. Hein? Calme-toi. Si continue comme ça, je vais m'occuper d'elle moi-même. Ne t'en fais pas. Je te connais. Oh, oh, bimbo. Hein? Oh, c'est très bien. Hein? J'aime beaucoup ce C'est truc. Vraiment bien. Oh, hein? Oui. Mmh. Mmh. Oh, j'apprécie beaucoup. Oh, non. Oh. Aïe, 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 oh. C'est comment? Oh, arrête, oh, oh, bimbo, oh. Hein? Oh. Ouh. Vraiment, la vie est belle. Oh, vraiment, c'est très bien. Hein? Oh. Hein? Ton dos est vraiment lisse. Et tu peux le dire encore. Tu sais le mien, hein? On doit comprendre. Mmh. Mais, tu veux le savoir? Bien sûr que je veux. C'est vrai? Oui. Oui. Oh, vraiment, ça m'a fait du bien. Ok.
Tu es ma belle femme, Idjou ma belle. Je me disais pourquoi ta soi-disant femme ne peut pas quitter cette maison avant même qu'on lui demande. Qu'est-ce qu'elle attend? C'est la raison pour laquelle je t'ai amené ici. Parce que j'avais entendu que votre royaume est plein de belles demoiselles. Et la plus belle de toutes, Ada. Bien sûr que tu as raison. Je te donnerai des très beaux enfants avec lesquels mon royaume sera béni. Je te l'ai dit. Et j'ai hâte d'attendre de voir mon fils grandir dans ton ventre. Idjé l'amour. Idjé l'amour. Idjé, Idjé ma femme. La nourriture est prête. Ma chère, allons-y manger. Oui. La table est prête. Hey, qu'est-ce que tu as préparé? J'ai cuisiné de la soupe et du foufou. Ah ah, comment oses-tu? Hein, Agoudou, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Fallait me demander qu'est-ce que je vais manger à la place de préparer tes stupides nourritures. Mais c'est ce que tu m'avais dit que tu vas manger la nuit dernière. Oh pardon, ferme-la. Tu passes tout ton temps à dormir. Comment tu peux faire quelque assez, chose? Assez, ma chérie. Tu sais quoi? Je n'aime pas ce que tu as préparé aujourd'hui. S'il te plaît. Calme-toi, ma chérie. Ce n'est pas encore tard. Tu peux aller déjà préparer une autre nourriture. Alors, quelle nourriture préfères-tu manger? Je vais manger le poisson bien fait. Tu as compris? Avec le foufou bien préparé, ok? C'est ce que je veux, hein? J'ai entendu dire que ton royaume est béni avec plusieurs poissons. Alors aujourd'hui, je vais goûter toutes ces bonnes choses. Tu m'as bien entendu? Adougou, tu l'as entendu, non? Va commencer déjà à préparer. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je dis, va-t'en déjà préparer notre nourriture. Mais stupide que tu es. Mon amour, cette fille, elle risque de me taper. Tu as vu comment elle me regardait? Ne t'inquiète pas. Moi-même, je suis là. Hein? Ma belle. Elle ne te fera rien. Ne t'inquiète pas. J'en ai marre de ces bêtises. Je suis tellement fatiguée de tout ça. C'est trop. Comment peux-tu appeler mon nom? Vraiment sans aucun respect. Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas du tout. Comment peux-tu aller dans un autre village, marier une femme et la mener dans ma maison? Je veux savoir d'où vient-elle vraiment. Hein? Sais-tu que ce que tu viens de dire est punissable par la mort? Et ta tête sera accrochée à l'entrée du sanctuaire du Hobo. Pour faire ce qui est contre la loi de la terre. Tu es d'accord? Ok, tu crois que ça me dérange? Maintenant, regarde-moi, ne vois-tu pas que j'en ai marre de toutes tes bêtises? J'en ai assez de toutes tes maltraitances et de toutes ces insultes devant ta maîtresse. Pourquoi tu l'as amenée dans ma maison pour qu'elle vienne me persécuter? J'ai besoin de comprendre, Naï. Quelle est sa mission dans la maison de mon mari? Oh, je vois. Je veux savoir quelle est sa mission. Ok, tu veux savoir c'est quoi oui, sa mission? Oui, au contraire, elle doit quitter la maison de mon mari. Ifi! C'est comme ça. Ifi, Mo! Bien, viens ici. Viens, viens ma chère. Hey, mon chéri, hein? Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu quelqu'un crier. Il a même dérangé mon sommeil. J'ai pensé que tu parlais avec les gens de ton royaume. Pas du tout. C'était seulement cette chienne qui est ici. Qui aboyait inutilement. Oui. Oh. Elle ne sait pas qu'il me faut du calme lorsque je dors. Dis-lui. Hein? S'il te plaît, femme, que ça soit ta première et ta dernière fois de me déranger lorsque je dors.
Laisse-moi te rappeler que cet endroit n'est pas un marché où tout le monde peut parler n'importe comment. Laisse-moi te dire que le dieu de notre terre va envoyer la foudre sur toi. Tu es stupide, je l'avais déjà remarqué. Regarde-toi. Non, mais dis-moi, c'est en tant que qui? La reine d'Angleterre ou quoi? La dernière fois que je l'ai vue, elle n'était même pas complexe. J'ai besoin de savoir quelle est ta mission dans la maison de bien, mon mari. Si tu veux savoir, elle est ma nouvelle femme. Oui, elle est ma nouvelle femme. Vraiment? Oui. Je vois. Tu ne le savais pas tout ce temps? C'est la femme qui mettra au monde mon garçon. Comme tu as décidé de fermer ton ventre et jeter la clé dans la rivière. Oui. Mon mari. Tourne un peu que le voit. Tourne un peu. C'est ça. Tu vois? Tu as bien vu? Le belle chose. Regarde-moi bien. Tu l'as bien entendu. Elle le sait très bien que une femme qui ne peut rien produire ne peut qu'avoir une rivale. Voilà la raison qu'on est allé m'épouser. Et au cas où tu veux le savoir, sache-le maintenant. Je suis sa femme. Il m'a mariée légalement. Si tu oses encore une fois m'adresser la parole, tu sauras qui je suis. Je veux te dire. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on ne va pas avec toi? Essaye de le faire et tu seras enterré en vie. Allez, vite, quitte ici. Okoro, Sa Majesté, ta femme, elle courait vers mon palais, très inquiète. Quand j'avais la réunion avec mon cabinet, et elle a dit, elle est venue déposer une plainte contre toi. Alors, il faudrait t'envoyer quelqu'un pour que tu sois présent. Avant de nous dire le problème qu'elle a. Alors, femme, dis-nous ce que tu as à nous dire. Igwe, je suis ici pour faire un rapport au sujet de mon mari. Depuis que je me suis mariée avec lui, plusieurs années sont maintenant passées. Il m'a toujours traitée comme une esclave. Femme, va droit au but. Nous ne sommes pas ici pour écouter tout ce que ton mari t'a fait. Et ça se voit que tu as un comportement bizarre, voilà pourquoi tu as été maltraitée. Vous êtes vraiment têtues, vous les femmes. Votre Altesse, depuis que mon mari est revenu du royaume de Moukoué avec une autre femme, il m'a toujours traitée comme une esclave. Jusqu'à pouvoir me dire qu'il désire avoir une seconde femme. Votre Altesse, mon cœur est en train de saigner, s'il vous plaît. Femme, tu as fini? C'est tout ce que tu avais à dire? J'avais fini, Naï. Okoro, votre majesté, ce que vient de dire ta femme est vrai, exactement votre majesté. Okoro, votre majesté. Vraiment, tu es un homme brave. Hein? Écoute, j'ai les dîners avec mon cabinet ce soir. Tu as de la chance d'être invité. Viens manger avec les rois. Ce sera mon plaisir de manger avec les rois, votre majesté. À ce qui te concerne, femme, tu es vraiment stupide et insensée de faire un long trajet pour venir au palais et interrompre ma réunion avec les membres du cabinet. Avec ces problèmes insensés.
Igwe, est-ce que peux-tu imaginer son insolence? Hein? D'ailleurs, qui l'a permis d'entrer ici au palais? Hein? Je l'ai fait parce que je croyais que elle vient pour nous parler d'une bonne nouvelle. Et vous voyez la raison pour laquelle nous vous traitons, vous les femmes, comme stupides, sans intelligence. Et c'est quoi ton problème si ton mari souhaite marier plusieurs femmes comme il lui plaît? C'est lui le chef de la maison. Et toi, tu es une femme. Tu n'as aucun droit de lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Exactement. Igwe, ce n'est plus important. Des femmes qui créent des ennuis à leurs hommes. Tu es vraiment idiote. Tu ne réfléchis pas. Alors dis-moi, je ne vois aucun mal si l'homme décide de manger une autre soupe. Il lui revient ses droits. Il peut manger tout ce qu'il préfère. C'est être insensé. Et pour ce premier acte de cette stupidité et insolence, tu vas apporter une calebasse pleine de vin. Oui, exactement. Ouais. Sept bassins de zignam et noix de cola pour demander pardon pour les comptes de ton mari. Et cela sera dans les trois prochains jours du marché. Vous avez raison. Votre Altesse, je suis celle qui est venue ici pour me plaindre. Et je suis la seule qui mérite des excuses de la part de son mari. Et maintenant, vous me dites... Peux-tu fermer ta sale bouche? Encore un mot de plus de ta bouche. Tu vas les regretter tous les jours de ta vie. Comment oses-tu? Tu t'allonges là-bas pour vomir les atrocités en présence du roi. Garde! Dégagez cette femme stupide d'ici. Et si tu ne fais pas ce que je t'ai dit de faire, et tu subiras une punition stupide. Dégage d'ici. Igwe. Igwe. Lève-toi, on s'en va. Pardon. Pardon, mon roi. Allons-y. Tu croyais avoir raison. Comment c'est arrivé? Je devais prendre tout ce que le roi avait mentionné et j'avais pris le tout. Et je connais la femme. Elle est grosse. Ils attendent un enfant maintenant. Mon mari ne pense même pas à moi. Je ne représente rien pour lui. Toute son attention est sur cette femme. Elle est enceinte? Oui, elle l'est. Adoubo, je ne savais pas que tu as subi toutes ces souffrances. Je ne savais pas. Ma chère, je crois que toutes les femmes dans cette communauté subissent une maltraitance de la part de leurs hommes. Mais je crois qu'un jour, les dieux qui voient comment nous sommes en train de souffrir. Tu sais, je crois que les dieux ne voient pas ce qui se passe. Tu ne peux pas dire cela. Oui, parce que j'ai vu le roi un jour dire à une femme que elle doit faire exactement ce que son mari lui dit de faire. Nous devrions simplement y croire. En souhaitant qu'un jour, les dieux changeront leur pensée et... Tu sais, nous en avons assez parlé. Je suis obligée de te ramener auprès de ton mari. Je dois rentrer là-bas? Bien sûr, tu dois y retourner. Écoute, si seulement tu ne retournes pas auprès de ton mari, crois-moi, tu seras puni doublement. Tu dois y aller. Tu n'as aucun droit d'abandonner la maison de ton mari, pas même pour une heure. Il est ton mari et tu y es sa responsabilité. Ok? Bonjour, ma princesse. Bonjour, Adoubo.
Onedo, qu'est-ce qu'il y a? Tu parais troublé. Est-ce que tout va bien? Elle a été humiliée par son mari. Pourquoi il peut continuer à te faire du mal? Pourquoi? C'est à cause de cette mauvaise tradition que les hommes nous imposent. Je reviens de la maison des Mazokoni. Il humilie aussi sa femme. Je l'ai juste consolé. Il n'y a rien que je ne puisse faire. Parce que la nouvelle arrivera à mon père si je m'opposais à son mari. C'est vraiment des trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je sais. Je n'ai jamais aimé cette tradition. Je n'ai jamais encouragé ça, même pour une fois. Je suis vraiment désolée de tout ce que tu es en train de subir à ce moment. Je veux parler à ma maman, la reine, de convaincre mon père. Je vous assure, ça doit s'arrêter. Ça s'arrêtera. Je suis désolée. Yoy, onye kula nyoy, onye kuku, yoy, onye salani, onye kasa, onye kuku, onye kasa, 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 Maman, je pense que c'est le temps que toute cette folie puisse s'arrêter. Il s'agit de quelle folie? La maltraitance de femmes. Tout ça au nom de la tradition. C'est pas juste. Je sais. Ça, ce n'est pas une folie. Au contraire, c'est la tradition. Instituée par nos dieux. Ça, c'est de la folie, maman. Maman, c'est pas juste! Les dieux ne peuvent pas nous imposer une tradition qui n'est pas bonne. Ils ne peuvent pas! La femme est maltraitée et humiliée. Je viens de voir les femmes d'Akoron. Maman, tu devais voir la douleur sur leur visage. La frustration, l'agonie, tout son nom du mariage. Maman, ça n'est de trop. Je comprends ce que tu dis, mais que puis-je faire? Je ne peux pas aller chez ton père et lui demander de pouvoir détruire la tradition. Je ne peux pas faire ça. Quelqu'un doit faire ça. Quelqu'un doit mettre fin à cette maltraitance. Écoute-moi, je prie. Et je sais qu'un jour ton père va résilier avec ça. Tout ira bien. Okay. Papa, assez. Non, 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 assez, papa. Je ne te permettrai plus de frapper ma maman. Elle n'est pas une esclave. Et Ia, elle s'en va pas dans ta tête, fils? Papa, je vais bien. Je ne suis pas malade. Je l'ai trouvé en train de pleurer à mon retour. Pourquoi? C'est pitié, tu n'agis pas en tant qu'un homme que tu es. Comme ta mère ne voit pas que c'est mal, mais moi, je n'accepterai pas qu'elle me dirige. Ça, c'est vraiment une abomination. Elle doit faire ce qui est juste, mais pas ce qu'elle veut. C'est papa, ça la réponse. Papa, je n'apprécie pas ça. Depuis que j'étais tout petit, ma maman t'a toujours été fidèle. Pourquoi continues-tu à faire ça? Pourquoi? Et peux-tu la fermer? Depuis toutes les années, en tant que ton père, j'essayais de mon mieux t'enseigner la culture et la tradition de notre terre. Mais tu sembles de ne rien connaître. Rien. Cette tradition inutile, cette tradition qui n'a aucun sens, moi je ne suis pas partant pour ça. Je ne peux jamais pratiquer cette tradition inutile. Les femmes doivent être respectées comme les hommes. Les femmes doivent être respectées comme les hommes. Après avoir donné naissance aux hommes, pourquoi êtes-vous? Pourquoi êtes-vous en train de les maltraiter? Dites-moi un peu, pourquoi? Papa, ils ne sont pas des esclaves. J'ai vraiment honte de toi, éduquer mon fils. Tu es un homme fainéant. Si tu ne te pas, mon fils, je devrais annoncer cette déclaration que tu viens de faire devant les conseillers. Je m'en fous, papa. Et tu sais c'est quoi la punition? Je m'en fous. Stupide. Je ne peux pas les soutenir. Cette pratique doit s'arrêter.
Cette méchanceté doit s'arrêter et je vais les stopper. Hey, attends. J'ai vraiment honte de toi. Hey, vraiment honte de toi. Et dis-moi, tu as arrêté de fuir? Hein? As-tu fini avec la publicité de ta folie? Et toi, tu as intérêt de me remercier parce que j'ai changé d'idée à cause de ton mari. Et tu as eu le courage d'affronter le roi. Tu es comment? Nous sommes désolés. Pardonne-nous pour ça. Mon mari, nous, je suis désolée. Ça ne peut se répéter. Oui, mon mari, s'il te plaît. Vous irez chercher ce pardon auprès du palais royal. Ah! Ah! Mon mari, désolé. Désolé, stop, mon stop, mari. Ne vous approchez pas. Hé! Hey. Attends. Je suis fini. Oh. Arrête, s'il te plaît. Fini. Écoute-moi. C'est fini. Mon mari, je disais que arrête je suis ça. Désolée. Écoute-moi, hey. Pour l'amour de Dieu. Chaque problème est un cadeau. Et lorsqu'elle est ouverte, elle ne se ferme jamais. Écoute, peu importe ce qu'ils disent, rien ne va changer. Fortifie-toi. Laisse-lui partir. Agaracha, où es-tu? La voilà. Agaracha, dis-moi. D'où viens-tu? Je veux le savoir. Ouais. N'est-ce pas le... Hey, quel est ton problème? Depuis quand ai-je l'obligation de commencer à te dire où devrais-je aller ou ne pas aller? S'il te plaît, j'ai autant de démarches à faire aujourd'hui dans toute la communauté. Je vais être tranquille. Hey! Reste là! Hein? Qui t'a demandé? Qui t'a demandé d'aller parler à toute la communauté? On t'a envoyé avec un message ou c'est mon mari qui t'a envoyé? Dis-moi, dis-moi, je veux savoir. Penses-tu que je vais perdre mon temps avec toi? Penses-tu que j'ai le temps pour ça? Oh, ferme ta bouche! Je n'ai pas encore commencé à t'affronter, mais tu te plains déjà. Écoute, quand je commencerai à m'occuper de toi, tu sauteras ici comme une sauterelle. Parions, parions! Permets-moi de te poser une question, Ife. Je peux comprendre que tu es enceinte. Mais en tout cas, le fait que tu sois frustrée, je ne sais pas d'où ça provient. Que veux-tu de moi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? De quoi parles-tu? C'est à moi de te poser la question. Pourquoi il n'y a pas de l'eau ni à manger dans cette maison? Pourquoi? Hein? Adugo, tu sais très bien que tu es enceinte. Hein? Pourquoi tu es allée te promener? À la place d'aller chercher à manger et à boire. Pourquoi? Pendant que tu sais très bien que je suis enceinte, laisse-moi te poser une question. Tu veux me tuer et mon seul fils, hey. Hein? C'est pour cette communauté que tu vis tu ici. Tu es malade. Je comprends que tu perds la tête, tu deviens folle. Tu as perdu moi? La raison. Laisse-moi hey. Te dire, 10 millions de femmes de cette communauté sont meilleures que toi. 10 millions de femmes de cette communauté sont meilleures que toi. Regarde-toi. Donc, tu me demandes à ce que j'arrête ce que j'ai à faire, aller à la cuisine, préparer, venir te le donner. Tu es folle, malade. Tu viens ici pour me dire des bêtises, n'importe quoi. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne te blâme pas, c'est ta mère que je dois blâmer. Je blâme ta mère. Parmi toutes les planètes et continents, toi, tu as choisi de venir en Afrique. Les meilleures femmes africaines enseignent à leurs enfants comment être capables de fonder leur foyer et non de détruire ceux d'autrui. Mais toi? Tu es une femme légère. Tu es une disgrâce pour les femmes hey, africaines. Adugo, tu oses appeler ma mère une femme légère, c'est ça? Tu n'as qu'à penser ce que tu veux, moi je m'en fous. C'est toi qui le dis. Mais tu dois savoir, ce que tu cherches pourrait te nuire. Ou reste là. Qu'est-ce que tu penses je faire? Je vais te frapper, oh. Qu'est-ce oh, qui ne va pas? Non, non, qu'est-ce qui ne va pas? Allez, non, 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 non. Qu'est-ce qui ne va pas? Tape-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon mari, c'est cette sauvage de femme que tu as épousée.
Elle fait me tuer avec mon fils. Hé, hey, t'es tué? Comment? Tu sais l'argent que tu avais laissé. Mm-hmm. Elle en a laissé aussi. Elle est partie. Elle n'a pas préparé pour moi. Je te fâche, je te dis. Hé, hey, Adougo, c'est vrai? Et c'est vrai, tu veux tuer ma femme et mon fils. C'est vrai ça? Tu es une sorcière. Alors, va à l'intérieur et apporte la nourriture à ma femme. Hé, hey, tu es toujours debout ici? Va chercher à manger pour ma femme et tu te tiens debout là-bas? Vas-y là-bas. Reviens prendre cette assiette. Reviens. Tu vois, hein? Parle-lui toi-même. Oh. Hein? Tu vois ce qu'elle a fait. Ne t'inquiète de rien. Entre à l'intérieur. La table sera prête bientôt. Entrons. Mon mari, je ne saurais pas attendre qu'elle finisse de préparer. Tu sais quoi? Emmène-moi dans un bar. Tu vas m'acheter le vin de palme avec quelque chose à grignoter. Hein? Dans ce cas, je vais l'attendre finir de préparer. Hein? Que je t'achète le vin... Le vin de palme. C'est ce que je veux. Ok, le vin de palme. Mon amour, sais-tu que c'est contre la tradition? Hein? Moi, en tant qu'un homme, on ne peut pas me voir avec la femme. Au bar, on ne parle pas beaucoup à une femme enceinte. Hein? Pardon, je veux que tu comprennes. Hein? Pardon. Mais je ne suis pas juste une femme, non. Je suis ta femme. Je sais. Mais notre tradition l'interdit. Pardon, je veux mieux t'expliquer. Entrons à l'intérieur. Hein? Pardon. Hein? Pardon. Mon bébé veut ne t'inquiète pas. Hein? Chérie, j'ai besoin de boire juste une bouteille de vin. Ne t'inquiète pas, tu vas prendre le vin. Justine. Oui, le vin frais. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Entrons, hein? Oh, Ledo. J'ai entendu tout ce que ton mari a dit. Dans ce royaume, c'est... vraiment une abomination à une femme de priver à son mari les plaisirs de l'amour quand il le veut. En plus, nous ne supplions pas pour ça. Nous le prenons à tout moment que nous voulons, que tu le préfères ou pas. C'est pourquoi nous sommes les hommes et vous êtes toujours les femmes. Alors, Oledo, tu n'as pas droit, peu importe, de les priver à ton mari. Écoute, donne-les-lui à tout moment et n'importe où. Mais, votre fils... Tiens! Tu la fermes! Peux-tu fermer ta bouche, Piwant? Quelle audace d'interrompre le roi! Comment oses-tu parler quand notre roi continue à parler? Qui es-tu, idiote? Igwe, et cette femme doit vraiment subir la rigueur de la loi. Elle se donne le droit de parler pendant qu'Igwe a encore la parole. Je le savais très bien qu'elle n'est pas polie. Ok, calmez-vous mes anciens. Calmez-vous. Je vais lui pardonner de... cet acte de stupidité et d'insolence. Si à la prochaine fois elle répète une bêtise pareille, je m'assurerai personnellement que Ezemo lui donne la punition réservée pour ce genre de cas. Maintenant, mes anciens, que pensez-vous faire avec cette jeune dame qui refuse à son mari de ce qui lui revient comme droit? Votre Majesté, comme elle a contredit la culture et la tradition de cette terre, de priver à son mari, celui qui est le chef de la maison, les plaisirs de ce qu'il a besoin. Concernant notre tradition, elle va donner à son mari un bouc blanc, deux bassins du Niam, banane plantain, une calebasse de vin de palme et 27 noix de cola. C'est ça. C'est ça. Oui, vous avez raison, Mazé. Et elle a seulement 2 semaines pour donner toutes ces choses. Par contre, elle sera forcée de passer vraiment au jugement
pour avoir contredit la loi de la terre. Bam. Associé à cela, elle doit dormir nue avec son mari pendant 2 semaines. Tu ne peux pas le priver de quelque chose qui lui revient de droit. Il doit à tout moment en avoir. Voilà un peu ce que j'ai à ajouter. C'est ça. Voilà. C'est vraiment ça. Merci. Merci beaucoup, mes enfants. Mon cabinet, j'ai dit et ça reste ainsi. Do not look down on the women. Oi, oi, yeah, yo, oi, until when will this injustice continue? Till when? Ma reine, mes salutations, mes salutations. C'est bon, j'ai entendu ce que tu as dit au roi à la maison. Mais je n'ai pas le pouvoir de faire quelque chose. Mais le problème est que, pour le moment, moi, je ne peux dire quelque chose. Sinon, je risque d'être puni. Mais c'est bon, tout ira bien. Ma reine, jusqu'à quand cette situation? Jusqu'à quand? Je n'ai personne pour m'aider. Je n'ai personne. Ça, c'est tout ce que j'ai. Ok? Prends cet argent. Garde-le bien. Personne ne peut savoir que je t'ai donné cet argent. Va acheter tout ce dont tu auras besoin avec cet argent. Allez, tu peux partir, vas-y. Ça, oh merci. Merci ma reine. Merci. Merci beaucoup. Allez, personne ne doit te voir ici. Sinon ça te causerait des problèmes. Allez, s'il te plaît, vas-y. Merci. Allez, c'est bon, c'est bon. Quelqu'un risque de te voir. Allez, vas-y. Tu dois très bien regarder. Tu dois faire vraiment attention. Allez, vas-y, fais vite. Merci. Tu oses me toucher? Tu penses que je suis ta femme? Tu penses que je suis ta femme? Vainqueur, non. Vas-y, réjouis-toi. Tu as gagné. Non, essaie un peu de te regarder, Golibé. Non, vas-y. Oh, frappe-moi. Vas-y, frappe-moi. Parce qu'on t'appelle Golibé? Non, parce qu'on t'appelle Golibé. Tu penses que tu es un gorille? Parce qu'on t'appelle Golibé. Tu vois, toi et tous ces anciens inutiles, vous protégez une tradition stupide dans cette communauté. Voici cette tradition que vous couvrez, que vous protégez un jour. Cette chose que vous cherchez, vous allez le trouver. J'ai appris qu'on a demandé à ta femme qu'elle puisse t'emmener une chèvre. Je sais, Golibé, tu es très content. On a dit à ta femme. On a trouvé ta femme, ta propre femme, Golibé. Ochoc, je comprends que tu es aussi inutile et ivrogne comme c'est toujours. Mieux. Laisse-moi te dire, Golibé, il est mieux pour moi d'être saoulé qu'au lieu d'être aussi inutile que tu l'es. Hein? Oui! Tu me vois, je suis un voyant. Vous voyez ce que vous, les anciens, faites dans cette communauté. Vous, ce putain des anciens, vous faites dans cette communauté. Et un jour, et je sais qu'un bon jour, vous verrez du fait. Golibé, je te l'ai dit aujourd'hui. Et une fois que vous aurez les faits sur vous, vous allez chercher où vous réfugiez, vous n'allez pas le trouver. Même si tu ne me crois pas, je l'ai déjà dit. Ochoc! Tu y es vraiment stupide. Vraiment, vraiment stupide. Moi, je n'ai pas refusé ma stupidité. C'est mieux d'être stupide au lieu d'être aussi égoïste et inutile que tu l'es. Laisse-moi te demander. Était-ce un homme ou une femme qui t'a mis au monde, Golibé? Parce que je n'arrive pas à comprendre. Si tu as oublié, laisse-moi te le rappeler parce que je ne peux pas taire ma bouche. Si tu as oublié, laisse-moi te dire. Il y avait un bon jour où ta maman était partie et tu étais sorti. Et on t'avait nettoyé. Et après t'avoir nettoyé, c'était au tour où on devait te gifler. Et c'était ta première gifle. C'était papa. Après tu as commencé à pleurer. Inge, Inge, Inge. C'était une femme, ce n'était pas un homme. Si ta mère était aussi méchante que tu l'es,
Elle allait déjà en ce moment casser tes jambes. Pa. Allais-tu avoir une bouche pour dire des bêtises? Parce qu'elle a permis que tu respires. Tu respires? Une femme a permis que tu respires. Et maintenant, tu as grandi et tu dis qu'elle ne sent rien. C'est ce qu'on appelle l'ingratitude. Alors s'il te plaît, laisse-moi te dire au choc. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps précieux écoutant tes bêtises. Parce que tout ce que je sais, c'est que tu n'es qu'un ivrogne. Regarde-toi. Tu es en train de sentir l'alcool. Tu n'es pas sérieux, pas. Toi. Tu vois. Juste cette bouteille que tu parles toujours prendre là. Ça te tuera un jour. Laisse-moi te dire, Golibé. Je ne fais pas inutilement perdre mon temps en te parlant. Va-t'en. En te parlant. Tu n'es qu'un bêtisant. Tu es inutile. Tu es sans importance, regarde. C'est pourquoi tu te demandes comment est-ce que tu vas boire juste cette quantité d'alcool. Très bientôt. Un peu comme ça. Moi aussi, mais rejoins et tu vas commencer à boire. Tu n'es qu'un ivrogne. Rejoins la communauté des hommes. Tu vas me rejoindre et tu vas commencer à chanter. Il m'avait dit, oh, mais j'avais refusé d'entendre ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit que je vais lui rejoindre, je commencerai aussi à boire. Il me l'avait dit, oh, j'avais refusé de croire, mais aujourd'hui, je commence aussi à boire. Même s'il ne me croit pas. Je sais qu'un jour, il me suivra. Il va commencer à boire. Même s'il ne me croit pas aujourd'hui. Très bientôt. Oui, très bientôt. Oh, mon mari, j'espère que tu as aimé. Oh, j'ai aimé. Oh. C'est bien. Je ne t'ai pas invité. Qu'est-ce que tu es venu faire dans ma chambre? Mon Seigneur, je suis là pour te demander si tu pouvais me faire une faveur. Parle, je t'écoute. Mon Seigneur, les femmes de ces royaumes, elles ont vraiment beaucoup souffert. Elles ne peuvent pas continuer comme ça. Elles ne peuvent pas parler. Elles ne peuvent pas faire quelque chose. S'il te plaît, ne peuvent pas continuer. Oh, tu la fermes. Es-tu folle? Je devrais même te gifler. Si tu n'étais pas ma reine. Comment oses-tu d'entrer dans ma chambre, me regarder dans mes yeux pour me commander? Je t'ai juste venu vous supplier, mon roi. Je suis désolée. Mais c'est quoi cette bêtise que tu viens de me parler? Cela concerne ton amour envers moi. Je suis désolée. Tu es folle pour ces premiers actes d'insolence. Tu seras puni. Tu vas marcher nu dans tout le village. Et tu seras accompagné des gardes. J'ai parlé. Et ça reste ainsi. S'il te plaît, ça sera vraiment la honte pour ta reine. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis désolée. Tu aurais pensé que la honte te reviendrait avant d'ouvrir ta bouche et parler de n'importe quoi. Et as-tu oublié ta place en tant que femme? Je suis le lion. Tu es la lionne que peuvent garder les lois de pouvoir de la vie. Je suis désolé. Je suis Agunetchemba, premier de ce royaume. Ma parole reste ainsi. Papa, pardon, tu peux revoir ta décision. Il n'y a rien que je peux revoir, mon fils. La honte, papa. Si maman est punie pour une raison ou une autre, laisse-la être punie ici au palais. C'est vraiment la honte de l'amener à la place publique, non seulement à la maman, mais aussi à toute personne de la maison. Ta mère a désobéi à mes ordres. Ce qu'elle a fait est punissable de la mort. Quoi? Papa, c'était seulement une suggestion. Et vous? Mais c'est écrit quelque part. Les femmes ne peuvent plus être traitées comme les esclaves. Et nous sommes vraiment très moins comme
elles sont maltraitées par les hommes. Cela ne dérange pas mon fils que tu sois son témoin. Les femmes ne sont pas beaucoup pour gagner les hommes. Nous ne sommes que des lions. Nous protégeons le royaume. Nous allons à la guerre pour protéger tout le monde. Nous devons être honorés. Et même la gloire, elle ne sera pas partagée avec les femmes. Papa, il n'y a personne qui cherche à te retirer les honneurs. Pas même nos hommes. Les problèmes que les mamans ont, chaque moment, elles sont traitées comme esclaves. Personne n'écoute leurs suggestions. Elles sont les nôtres. N'oublie pas que nous sommes sortis de ce même femme. Un jour, mon fils, et tu seras le roi de ces royaumes après mon départ. Tu dirigeras ces royaumes avec tout ce dont il a besoin. Mon fils, ne te permet pas que tu sois dirigé par les femmes. Ne permet à aucune femme de prendre ton contrôle total, que ce soit même ta mère. Papa, il n'y a personne qui prenne... Ogona, c'est mon conseil. C'est le conseil de ton père. Les femmes sont faibles et insensées. Elles tuent que tu n'imagines pas. Laisse-les vivre et aie absolument contrôle d'eux. Écoute, papa, c'est de la maman dont nous parlons. Cette punition est grave. Aie pitié, papa. Il y a toujours un pardon réservé aux innocents. Olego! Olego! Mon mari! Qu'est-ce qui ne va pas, mon mari? Qu'est-ce que c'est que ça? Tourne-toi! Hein? J'ai dit tourne-toi! Et tu as couché avec un homme qui t'a donné l'argent pour acheter tout ceci? Hey! Mon mari! Je ne coucherai jamais avec un homme qui n'est pas mon mari, qui est Mais comment tu as... Comment tu as acheté toutes ces choses? Où as-tu eu l'argent? Mais... Mon mari, s'il te plaît, j'étais partie au marché acheter les bananes. C'est pourquoi j'en ai profité pour te l'acheter aussi ça. Même les gnamas. C'est bien. Vite, tu vas prendre les gnames et un peu de plantain. Fais rapidement un bon repas pour que nous puissions manger avec la viande. Oui, mon mari. Mon mari. S'il te plaît, aide-moi s'il te plaît. Tais-toi et tu l'aides toi-même. Oui, mon mari. Yoï, on est pour l'agneau. Yoï, on est à Salagne. Golibé, est un idiot, est un imbécile. Golibé n'est pas intelligent. Golibé, je ne l'aime pas. Golibé dans ce village. Golibé est un homme inutile, est un homme inutile. Je ne sais pas ce qu'il fait, je ne sais pas ce qu'il fait. En tout cas, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a avec toi. Tu es un homme de la honte, tu es un homme de la honte. Golibé, toi, le Hugo a demandé à ta femme qu'elle t'emmène une chèvre et tu n'as rien trouvé de mal avec ça. C'est vrai? Toi, Golibé, hey! Il n'y a pas de problème, je vis ta femme entendre la conduire là-bas chez toi. Ça te dit rien? Tu n'as même rien essayé. Regarde-toi. Tu es déjà même en train de t'écurer les dents. Ça signifie que tu as déjà mangé une partie. Toi là, tu n'es pas un homme. Tu es vraiment un incapable. Ce n'est pas vrai. Mais tu vois, toi, un jour, nous allons voir. Tu n'es qu'un ivrogne, toi. Laisse-moi. C'est quoi? Tu t'approches de qui? Tu penses que je suis ta femme? Tu penses que tu peux blaguer avec moi? Tu penses que je suis ta femme? Regarde-toi. Essaie seulement de faire cette bêtise que tu comptes faire là. Et tu verras comment je vais te donner ce gros coup sur ton visage. Ce n'est pas un problème, d'accord, ce n'est pas un problème. Mais tu vois cette chèvre, ça va continuer à te déranger. Tu ne pourras jamais digérer cette chèvre dans ton ventre. Et ça va continuer à te déranger.
Bientôt là, tu vas commencer à pa. Tu vas entrer dans la bouche, crois que tu pourras le sortir, mais tu ne vas que péter. Allez, vas-y là-bas. Un homme stupide. Continue de boire, tu vas mourir. Tu verras. Parce que tu penses que tu peux intimider ta femme et tu peux laisser avec moi. D'accord, ose avec moi. Non, ose le faire avec moi. Comme tu penses que je suis une femme, tu verras ce que je vais te faire. Until when we are humans too and we are never slaves. We should have a say and make our own decisions. We are humans too and we are never slaves. Man, I can't even remember S'il te plaît, pardonne-moi. Je te supplie au nom du Seigneur. Non, femme. Parce que je t'ai donné un peu de l'autorité. Tu veux maintenant chercher à me dicter. Que Dieu me pardonne de détester le Seigneur. Épargne-moi de ça, car ça peut m'arriver. S'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie. Oh, ok, je t'ai entendu. Mais à une seule condition. Tu vas tout cesser de toutes tes activités comme reine de ces royaumes. Et encore, ta place sera derrière le palais, que je ne te vois pas, devant l'entrée de ce palais, si cela est exécuté. Et c'est alors que je penserai, si possible, de te reprendre comme ma reine ou pas. Merci, mon Seigneur, je ferai ce que tu as dit. Merci. Merci, Sa Majesté. Oh.
Neka va m'appeler ton père. Vas-y, vas-y. Fais un effort, vas-y, pousse. Pousse en même temps que moi. Vas-y, on y va. Encore, fais des efforts. Hey. Ife, où sont mes pagnes? Mes pagnes sont supposées être à la maison, mais je ne retrouve aucun d'eux. Adugo, laisse-moi te poser cette question. Je vois que tu veux tuer mon mari. Pourquoi tu me fais manger ce genre de nourriture? Pourquoi veux-tu me tuer avec mon fils? C'est ce que tu veux? Cela n'est pas la réponse. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Où se trouvent mes pagnes? Je n'ai pas le temps pour toutes ces confrontations. Ce que je veux savoir, hein? Comment oses-tu continuer de laver le sabi dans la même maison où moi je dors? Ne sais-tu pas qu'une femme enceinte ne peut pas continuer de faire beaucoup de travail? Hein? Tu veux me faire avorter ou quoi? Hein? C'est ce que tu veux? Fait, tu es en train de dépasser tes limites. Tu me provoques. Tu me pousses vraiment au bout, tu sais. Où as-tu gardé ma nourriture? Parce que je vais te tabasser maintenant. Tu as mis mon repas. Si tu veux le savoir, je le jeté. Oui. Hein? Comment oses-tu continuer à demander ton repas? Si tu l'as pas vu, là où tu l'avais posé là, sache que je l'ai jeté. Hein? Tu viens aussi me déranger. Tu as jeté mon repas? Tu m'avais laissé là pour pouvoir... Tu as jeté mon repas. Hé, 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 qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi? Quitte-la, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Elle est là pour me provoquer. Quitte-la, c'est quoi avec toi? Elle a jeté mes pagnes, tu verras. Hein? Je vais te taper. Attends. Aujourd'hui, je vais finir avec toi. Voilà. Je vais finir avec toi. Tu as de la chance. Insensé. Désolé ma femme. Hein? Désolé. C'est fini. Calme-toi, ça suffit. Calme-toi, ça suffit. Allons-y. Où est-elle? Ah. Et j'ai entendu les cris d'un bébé. Oui. Ah. Elle a Dieu merci. Dans de bonnes conditions. Oh. Dieu merci. Ce bébé est de quel sexe? J'ai besoin de savoir le sexe de bébé. Elle a donné naissance à une... Oh. Oh. Sois calme. Mais, tu la fermes. Pardon, mon amour, pardon, ne pars pas, pardon, hein, mon amour. Encore, hein? Regarde ma vie, c'est pour ça que tu m'as épousé et m'emmené dans ta maison. Tu m'as trouvé comme ça, encore, tu m'as trouvé vivre en paix là-bas dans mon royaume, avant que tu viennes m'épouser. Regarde-moi, je ne sais plus prendre soin de moi, je ne sais même plus me maquiller, je ne sais plus rien faire. S'il te plaît, je veux rentrer dans la maison de mon père. Je ne peux pas continuer de vivre avec la sorcière de ta femme. Je ne peux pas. S'il te plaît, laisse-moi rentrer dans la maison de mon père. Pardon. S'il te plaît. Je vais gérer moi-même la situation. Pardon. Pardon. Hein? Je suis fatiguée d'entendre ça. Tu as toujours dit ça, mais tu n'as jamais rien fait. Là, je suis fatiguée. Laisse-moi partir. Oh, est-ce que c'est de ma faute? Ifi, rappelle-toi que je t'aime avec respect. Pardon. Hein? Si vraiment tu m'aimes, tu es là et tu veux se mauvais laisser laver tes habits pour la femme que tu prétends aimer. Pardon.
tu sais que tu portes mon fils? Rappelle-toi. Ah, oh, donc tu t'inquiètes juste pour ton enfant. Donc tout ce que tu veux, c'est de me voir en train de te faire des enfants. Donc ma vie et mon bonheur t'importent peu. Okoro, tu es vraiment méchant. Tu es vraiment méchant. Pardon, bébé. S'il te plaît, laisse-moi. Pardon, ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, pardon. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça, pardon. Hein? Pardon. Hein? Pardon. Pardon. Si tu veux vraiment que je rentre, ça sera en une seule condition. Peu importe la condition que tu veux, je les ferai. J'accepte. Hein? Je t'écoute. Dis-moi, Mena. Renvoie ta femme de cette maison. Qu'elle rentre dans la maison de son père. Oui, qu'elle rentre. Hein? Oh, tu peux pas faire ça. Allez, donne-moi mon sac. Non, je le ferai, je le ferai. Je le ferai, hein? Je t'assure. Je le ferai, hein? Pardon. Je le ferai. Hein? Chérie, rentrons. Hein? Rentrons. Viens, viens. Oh, laisse-moi. Je te suis. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu te tiens debout toi-même ici? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Adugo, je sais que tu ne dis pas la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Il m'est interdit de te parler de quoi que ce soit. Je ne peux vous dire quoi que ce soit, mon prince. Adugo, je suis le prince de ce royaume. Je suis l'héritier du trône. Je suis le prochain roi en devenir. Et je te pose la question. Qu'est-ce que tu fais ici et pourquoi tu es ici? C'est mon mari qui ne fait que me maltraiter. Et il me maltraite comme un animal. Il est allé chercher une deuxième femme qu'il vient d'épouser au village de Manebo. Et si je peux savoir, parmi les hommes, qui est cet homme qui te maltraite et que tu ne le dis pas aux anciens? C'est quoi son nom? C'est trop tard. C'est le fils de Onu, Okoro. Alors je dois aller et lui donner la leçon de ne plus toucher la femme. S'il vous plaît, mon prince, ne me faites pas ça. Je serai sévèrement puni si vous faites cela. S'il vous plaît, je ne suis pas prête pour une nouvelle punition. Adugo, c'est parce que tu m'as supplié. J'allais vraiment le faire parce que tu m'as supplié. Je te promets, sous mon règne, toute chose deviendra normale. Tu ne vivras plus ce que tu vis. Je sens les douleurs auxquelles vous traversez, vous les femmes. Pardon, laisse-moi t'aider. Pardon. Laisse-moi t'aider, pardon, pardon. Laisse-moi t'aider, pardon. Ça ne m'arrange pas de te voir dans cette situation. Pardon, pardon. Hein? Pardon. Ah, mon mari, s'il te plaît. S'il te plaît, ne me fais pas ça, je t'en prie. Tu me demandes pardon? Oui. Tu me demandes pardon? Alors, prends tous tes enfants maudits et ta malédiction, vous sortez de ma maison. Est-ce que tu peux imaginer? Tu as donné naissance. Une, deux, trois, quatre, et ça c'est la cinquième. Et toutes sont des filles. Pas même un garçon qui prendra ma relève. Succéder à mon héritage. Tu es maudite, prends ta malédiction et tes enfants maudits, partez de ma maison. Maintenant. Mais mon mari, tu sais que ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas les dieux qui donnent des enfants. S'il te plaît, mon mari. Tu es folle. Comment vraiment peux-tu attribuer ta malchance aux dieux? Mets les dieux de côté. Mets le dieu de côté. Comment tu peux donner naissance uniquement aux filles? Penses-tu que je ne sais pas ce que tu es? Tu es une sorcière. Tu penses que je ne sais pas? Tous les garçons que Dieu m'a donnés étaient dans ton ventre. Tu les as tous mangés. Tu les as mangés. Alors tu veux rendre ma maison à une malédiction. C'est pourquoi tu as donné naissance uniquement aux sorcières. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Prends ta malédiction et tes enfants maudits. Quittez ma maison. Maintenant. Mon mari, s'il te plaît. Si tu nous chasses d'ici, où veux-tu que nous partions? Où allons-nous partir?
Regarde-moi. Est-ce que je suis semblable à celui qui est inquiet? Ce qui me concerne est de quitter ma maison, d'aller même au séjour des morts. Ok? C'est tout ce dont j'ai besoin. Alors, va-t'en. Mon mari, s'il te plaît. S'il te plaît. Si ce n'est pas pour autre chose, fais-le même pour notre enfant, je t'en prie. Oh, oh. Oh. Tu appelles cette chose-là enfant? Non. Tu appelles cette chose-là enfant? Hein? Écoute, à ce que je sache, je n'ai aucun enfant. Oui, je n'ai aucun enfant. J'ai besoin d'un garçon. Les femmes. Les femmes, il n'y a pas de l'avenir pour elles. Les filles ne sont pas importantes. Les femmes auxquelles nous avons dans la société sont problèmes pour nous. Alors c'est mieux de quitter avant que je te fasse quelque chose du mal. Quitte! Alors tu ne veux pas quitter avec tes enfants maudits et ta malédiction? Tu penses que je m'amuse? Ok, attends-moi. Hey. Attends-moi. Tu es encore là? T'inquiète. Non, reste là. Reste là. T'inquiète, oh. Qu'est-ce que tu peux faire? Hey. Oh, mon mari, s'il te plaît, non, s'il te plaît, pardonne-moi. Mon mari, s'il te plaît, non. Mon mari, tu ne fais pas ça. Mon mari, laisse les enfants, mon mari. Mon mari, il me fait bien. Mon mari, laisse les enfants, ne fais pas ça, s'il te plaît. Mon mari, qu'est-ce que les enfants t'ont fait? C'est toi qui es innocent. Prends ta chose. Papa. Sors ici, sors. Papa, tu veux, papa, tu refuses? Va chez ta mère, va. Inutile. Laisse mon enfant. Quittez ma maison. Partez de ma maison. Prends-le, va-t'en. Ok, il est là, vas-y. Partez maintenant, partez. Partez vous tous. Vous êtes encore là? Hein? Vous êtes encore là? Que faites-vous là? Les idiots. Allez-vous-en. We are humans too, and we are never slaves. We should have a say and make our own decisions. We are humans too. Ne revenez plus, les idiots. Bande de sorcières. Hein? J'ai besoin d'un garçon. Écoute, je veux me marier à une jeune fille, une petite, et elle me donnera un garçon. Les idiotes, les folles. Hé! Hey. Ok, on verra. Mais où est Ichagu? Ichagu, où est cet homme très, très, très pauvre? Alors, je suis venu ici, je suis venu te chercher. Je ne vais plus d'ailleurs t'appeler Ichagu. Je vais commencer à t'appeler Agu. Agu. Agu? Je vais utiliser une pierre pour casser ta porte si je ne sortais pas ici. Qui est-ce qui est en train de crier à mon nom là?
Viens. Vous revenez encore pour me donner la folie. Oh. Oh, Chobo. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Toi, l'ivrogne. Que veux-tu dire par tout ça là? Moi, l'homme le plus intelligent, moi m'égaré. Tu plaisantes. Je suis venu te chercher. Toi, toi, Ichaku, je suis venu te chercher. Toi là, tu as de comptes à me rendre. Je vais se faire. Un ivrogne vient à la maison, il vient me chercher. Quelle affaire dois-je régler avec toi, semblable à un fou? Arrête un peu toutes ces choses là que tu es en train de dire. Tu as une affaire avec moi. Oui. Ichaku, j'ai vu ta femme et tes enfants. Ah. En cours de route, tu les as chassés. Et je suis venu pour te demander. Qu'attends-tu gagné? Non, dis-moi d'abord, qu'attends-tu gagné après? Tu les as chassés, toi, cet homme méchant, cet homme mauvais. Tu penses que je ne connais pas tes plans? Tu as un second plan et ce que tu veux, c'est quelque chose de nouveau. Tu as besoin d'une nouvelle soupe, tu penses que je ne sais pas? Mais tu vois toi, hein? Mais cette fois-ci, ça ne marchera pas. Crois-moi que ça ne marchera pas cette fois-ci. Oh, Choku. Je peux voir clair que tu es venu ici pour m'insulter. Oui, c'est ça ta mission ici, pour m'insulter. C'est ça? Je n'ai même pas commencé à t'insulter. Mais tu parles déjà. Oh, tu veux que je t'insulte? Oh non, tu l'as dit de toi-même. Non, tu veux que je t'insulte? D'accord, pas de problème. Comme tu veux que je t'insulte, laisse-moi te demander. Ichaku, dis-moi d'abord, peux-tu engrosser une femme pour qu'elle donne naissance à un fils? Moi? Non, mais je te pose la question. Essaye de bien m'entendre. Et essaye maintenant de me répondre. Peux-tu donner naissance à un fils? Tu ne peux pas. Alors tu veux amener une bouteille, mettre de l'eau, prendre la bouteille et boire du vin de palme. Tous dans ce village, nous savons que tu ne peux pas. Au lieu de faire bla 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 bla, tu ne sauras pas. Et quand on te donne une fille, tu vas commencer à jouer sa bouche pour dire bla 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 bla. Tu m'as donné une fille, tu m'as donné une fille, tu m'as donné une fille, tu m'as donné une fille. Peux-tu te même donner naissance à un fils? N'es-tu pas un homme méchant? N'es-tu pas un homme méchant? Ochoku, comme tu me vois, je regarde cette direction. En plus de cela, je ferme mes yeux. Et quand je vais les ouvrir, j'ai besoin de te voir dehors de ma parcelle avant que je te fasse quelque chose de tragique. Alors, va-t'en, va-t'en. Ichaku, comme toi tu me regardes, moi aussi je te regarde. Je suis debout devant toi et je t'attends. Avant que je compte jusqu'à toi, je veux voir ce que tu as l'intention de faire. Fais-le, maintenant, maintenant, maintenant. Tu me défies, n'est-ce pas? Moi, idiot. Allez, vas-y, quitte-la. Tu m'insultes, fou. Non, toi, ivrogne. Attends-moi. Attends-moi. Non, non, touche-moi. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu penses que tu es en mesure de faire... Alors, va-t'en vite d'ici avant que je te coupe ton cou. Je vais ôter ta grande tête de ton corps. Alors, va-t'en. Imagine vraiment. Tu me défies avec ces petits bâtons. Tu utilises ces corps pour me faire peur. Je pensais que tu avais couru dans la maison pour sortir un pistolet. Mais je sais que tu n'as pas le moyen et que tu ne pourras pas acheter un pistolet. Tu n'as pas d'argent. Laisse-moi te rappeler, c'est ici ma maison maternelle et tu ne peux pas me tuer. Même si tu essayais de tout faire, je t'ai dit que mon sang ne peut pas toucher ce sol. Et si tu veux essayer, d'accord, vas-y, coupe mon cou. D'accord, vas-y, coupe mon cou. Un homme pauvre. N'importe quoi. Et je ne sais même pas si c'est un peintre qui a peint cette barbe blanche. Parce que toi et tes amis anciens, vous n'avez aucune raison de porter cette barbe blanche. Quitte devant ma face, arrête de dire ça. Bien. Ce dont les dieux veulent tuer, il les rend fous avant. Alors à cause de ça, d'ailleurs, qui es-tu? Ton corps ne fonctionne pas. Tu veux que je sois celui qui va te tuer? Je sais que tu cherches quelqu'un à te tuer et t'enlever, c'est inutile. Cette vie misérable que tu as, est-ce que tu es un humain? Tu es une animée. Viens me tuer. Non, tu es une animée. Viens me tuer. Va-t'en chercher du tort à ta famille. Qui est de ta famille? Je ne connais personne. Regarde-toi, je ne te connais même pas. Va-t'en là-bas. Ça, c'est vraiment de la folie. Est-ce que ce sont les peintres qui ont peint? Je ne suis pas un fou. Va chercher et parler à un fou. Je pense que ce sont les peintres qui ont peint cette barbe blanche. Parce que vous, les anciens, vous ne pouvez même pas réfléchir comme les anciens. Vous réfléchissez comme des enfants. De toute façon, je ne peux pas discuter avec un fou. Va-t'en d'ici maintenant. Inutile. Tu m'as bousculé. Tu m'as bousculé. Icha, tu m'as fait tomber par terre. On ne fait pas tomber les dieux. Tous les dieux le sauront. Ce n'est pas pour nous toucher les dieux. Ichako, tu as fait tomber les dieux. Tu t'es amusé. Tu as osé défier les dieux. Ils vont parler avec toi.
Et tu es bien au courant que les dieux vont te parler. Pas de problème. Tu as osé toucher la personne qu'on ne touche pas. Tu ne sais pas que je suis la personne qu'on ne touche pas. Dans toute cette communauté, si tu me touches, tu verras les dieux sur ton chemin. Je suis un petit, mais tu ne sais pas qu'en réalité, je suis le plus grand. Comme tu l'as cherché, tu verras les dieux sur ton chemin. Tu verras les dieux sur ton chemin. Les dieux vont te visiter. Tu verras. Il n'y a pas de problème, je vais te suivre. Tu as touché le dieu. Ce n'est pas un problème, ils vont te parler. Comme tu as osé toucher les dieux, ce n'est pas un problème, ils vont te parler. Si tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu as vu la façon dont Maziako a chassé sa femme et les enfants de la maison, sans même se soucier qu'elle vient à peine d'accoucher. Hey. Cet homme est tellement méchant. Il ne considère même pas ses propres enfants. Hey! Cette méchanceté devient de plus en plus. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est la question que tu me poses. Même son propre père a refusé de l'accueillir dans sa maison et il appelle de tout le nom. Ils disent qu'elle a la mission de remplir tout ce village avec des filles. Hey, en tout cas, que les dieux soient loués. Oui. Je ne pouvais pas croire que c'est un homme qui agit il comme sait. Ça. Ah. Tu sais, je me sens comme une impératrice qui a guidé et conduit son royaume. Tu sais, la vérité est que chaque femme est effrayée dans sa propre maison. Et tous ces hommes, tu ne peux aucunement t'opposer à leur action ou leur opinion. Ce sont des égoïstes. Plus que même la vérité. Ils ont réussi de rendre la femme heureuse. Ils ont envoyé l'un d'eux pour nous aider. Et je demande encore, quand est-ce que tout ça va prendre fin? La seule manière de stopper cela serait que nous soyons courageuses et constructives. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Une bonne organisation peut faire tomber un éléphant. Tu parles en parabole. Je ne comprends pas, mais assez que je sache. J'en ai marre de cette situation. J'en ai marre. Je suis fatiguée. Je suis vraiment fatiguée. Viens t'asseoir afin qu'on en parle. Maman, tu n'as pas l'air heureux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ton père. Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Ton père m'a enlevé tout le droit que j'avais étant une reine. Je n'ai même plus droit aux gardes et tous ceux qui peuvent être à côté de moi. Pourquoi? Maman, pourquoi? Maman, je pense aller causer avec lui les yeux dans les yeux. Non, ne fais pas ça, fils. Tu le sais très bien ce qui va arriver si tu l'affrontes. Pourquoi papa est en train de faire ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc c'est arrivé jusqu'à ce point, même sa propre femme.
On verra là où nous allons finir avec ça. Reviens ici. Reviens vite ici. Que tu le veilles ou pas, tu vas marier Maziako. Et ça reste ainsi. Je ne vais pas l'épouser. À mon âge, je ne me marierai pas deux fois, je te dis. L'âge n'a rien à voir avec le mariage. Mets-le dans ta tête si tu ne sais pas. Je ne peux jamais me marier avec lui. Jamais. Je peux voir. Maintenant, tu as l'audace à me désobéir. Et tu te tiens devant moi et me parler de cette manière. Je vois que ta tête ne fonctionne pas. Naï, C'est quoi le problème? Demande à ta fille inutile. Elle a l'audace de me désobéir, connaissant la pénalité qui en découle de ce qu'elle a fait. Ah, ma fille, pourquoi tu désobéis à ton père? Tu veux être prisonnière du roi ou quoi? Ou tu veux être bannie de ce royaume? Maman, je ne vais pas déshonorer mon père. Mon père me force de faire l'impossible. Il veut que je me marie avec Maziako. Et cela reste quoi? Comme ça. Comment oses-tu? Tu veux me commander? Es-tu folle? Hein? Comment oses-tu ouvrir ta petite bouche et me poser une telle question? As-tu perdu ta tête, n'est-ce pas? Naï, pourquoi tu aimes toujours faire ce qui n'est pas bon? Comment peux-tu demander à ta fille d'épouser ce vieil homme? Sais-tu qu'il a une femme et des enfants dans sa maison? Tout homme fait exactement ce qu'il a fait à Isioma. Elle était capable de mettre au monde un garçon? Elle était? Je ne peux pas soutenir ce mariage, je ne peux pas. Même si elle n'avait pas de mari, je n'allais pas soutenir cette idée. Non, pas du tout. C'est toi qui décides maintenant ce qui s'est fait dans ma propre maison. Hein? C'est ce que tu essaies de me dire? Hein? Tu es maintenant alpha et oméga de cette maison, tu décides ce qui peut se faire. Je vois. Je vais te montrer que tu es simplement une femme. Et pour ça, tu n'as pas même raison de... Toi? Donc ça, c'est une équipe bien planifiée. Tu as planifié avec ta mère pour me combattre. Soyez vraiment prête pour la bataille, je vous le jure. Vous avez mis vos doigts dans le feu, les inutiles. Mais pourquoi tu veux le défier? S'il te plaît, laisse-le. Allons-y. Laisse-le, on y va. Fais-tu ici? N'est-ce pas, papa? Papa a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait encore? Papa m'a dit de ne pas rentrer à la maison. Aussi longtemps que je ne vais pas me marier avec Maziako. Ah, c'est quoi cette histoire avec ton père? Je ne sais pas. Papa, il est tellement méchant. Maman, tu sais, il a dit même toi, tu ne peux pas rentrer à la maison. Jusqu'à ce que tu me convainques de se marier avec ces cagots. Maman, tu sais, je ne peux pas me marier avec cet homme. Il est très âgé, je l'aime. Je ne peux jamais me marier avec lui, maman. Je ne peux pas. C'est ce que j'ai toujours dit. Cet homme est très méchant. Il est très méchant. Tu n'épouseras jamais cet homme. Je ne peux pas l'accepter. Que cela veut dire? Hein? Comment oses-tu me laisser?
quand bien même tu sais que j'ai besoin de causer avec toi. Comment oses-tu? Tu veux me parler de quoi? Quoi? Tu veux me dire que je me marie avec un homme âgé comme toi? Hé! Hey. Je ne vais jamais me marier avec un homme qui est plus âgé que mon père. C'est une grosse erreur que tu as faite. C'est pour ma barbe blanche. Vraiment, je suis très fort ici. Je te l'ai dit. Regarde, si tu es dans mes mains, si tu rencontres un homme dans ce village, tu vas fuir. Tu sais pourquoi? Pour nous, les vieux, c'est vraiment égal. Celui des jeunes, c'est la quantité. Et sais-tu qu'on ne peut pas comparer la qualité et la quantité? Hein? Alors, qu'est-ce que tu dis? Je sais. Tu es vraiment courageux. Hein? Je ne vais pas t'épouser. C'est comme ça que tu le veux? C'est de cette façon que tu veux les jouer? Tu connais l'implication de refuser l'homme, toi la femme. Refuser l'homme de ce qu'il veut de toi. Est-ce que tu connais l'implication? Bien sûr, je sais. Et je m'en fous même de cette punition, je te dis. Ça ne te dit rien. Ça arrivera à Igwe. Je ne crains pas. Je le dirai à Igwe. Va lui dire n'importe quoi. Hein? Je ne peux jamais me marier avec toi. C'est bien. Oui. C'est bien. On verra. On verra. Toi aussi, qu'est-ce que tu fais ici? Hein? C'est quoi avec toi? Tu me suis toujours partout où je vais. C'est quoi avec toi? Oh, Ichako. Ichako, tu es ce vieux qui porte de la barbe blanche. Mais qui est un imbécile? Donc, c'est ce que tu fais, hein? Je ne sais pas de fois. Je pense que ta tête de foie peut fonctionner comme ton libido. Oui. Parce que ta libido est tellement active pendant que ta tête est encore en train de dormir. Tu ne réfléchis pas très bien. Et je pense que tu es complètement un imbécile. Donc, Ichako, tu as chassé ta femme, une très belle femme, et tu as chassé tes enfants. Tu les as tous chassés. Juste pour suivre cette petite fille. Donc, tu t'es décidé de suivre cette petite fille. Regarde la fille que tu es en train de suivre. Franchement, je ne te comprends pas. Tu veux utiliser ces corps déjà détruits. Et regarde le genre de fille que tu veux te taper avec ces corps déjà détruits. Hey, Chaco. Mais je te dis, tu vois toi. Je sais qu'un jour, je te donnerai un vrai coup de tête. Et ce jour-là, tu sauras qui je suis réellement. Allez, quitte devant moi. J'ai dit quitte. Tu es un fou. Tu es... Toi... Je peux t'écraser la tête. Stupide. Dans ma terre natale. Idiot. Si tu m'approches encore, je vais t'écraser la tête. Tu veux voir mon sang dans ma terre natale? Donc tu veux commettre une atrocité? Ah! Ichako! Donc tu as encore fait tomber les dieux pour une seconde fois. Les dieux sont déjà arrivés ici. Tu ne pourras plus vivre en paix dans cette terre. Ichako! Hey! Hein? Les dieux eux-mêmes vont s'occuper de toi, Ichako. Et c'est la deuxième fois que tu le fasses. Tu t'es permis de défier les dieux. On ne touche jamais à celui que les dieux ont choisi, mais toi tu l'as fait. Je t'avais averti, mais tu n'avais pas entendu. Attends, tu verras ce que les dieux te feront. Attends, tu verras. Tu t'es permis de défier les dieux. Attends, tu verras. Tu verras comment les dieux vont se charger de toi et tu auras ton sort. Ok, regarde-moi cet homme qui est toujours en libido. Tu réfléchis toujours avec ta libido. Et désormais, moi aussi je vais réfléchir avec ma libido. Tu as osé me toucher. Tu verras ce que les dieux te feront. Et mon père n'a même pas l'idée de le retourner. Juste parce qu'il avait servi la nourriture froide. Nous, les femmes, nous devons faire ce qui est à notre pouvoir. Nous devons le combattre. C'est le moment pour nous de mettre fin à cette maltraitance. Il est temps que nous nous battions pour cette peine. À qui pourrions-nous dire ceci? Où irons-nous vraiment? Au lieu de nous donner raison, le roi, lui, ne pense qu'à nous punir. Lorsque j'étais en route, j'ai rencontré Amaka, qui vient de perdre son mari récemment. Vous devez voir la façon dont elle était maltraitée par d'autres hommes. Ils étaient en train de la dénigrer et chercher comment partager le bien de son mari. Même le petit frère de mon mari est inclus.
Regardez. Dans les moments désespérés, les lions mangent de l'herbe. La sagesse ne représente rien lorsqu'elle ne raconte pas des actions. Il a toujours été dit que les actions parlent plus que les paroles. Laisse les tambours étendus et que la guerre commence. Parce que il faut qu'il ait l'émancipation de la femme dans cette communauté. Il y a un moyen de mettre fin à tout ça. On ne peut pas continuer comme ça. Si les femmes se réunissent, quelque chose va se faire. J'aurais juste voulu vous dire que je suis de cœur avec vous. La femme a tellement souffert. Non seulement pour leur action, mais aussi pour toutes circonstances qu'ils nous ont imposées. Le cri de femme doit se faire entendre. Nous devons être respectés. Nous devons être appréciés. Ne jamais abandonner. Celui qui mange avec une dent cariée, mange avec attention. We've been maltreated for a very long time. Someone needs to stand up and say it's enough. Oi,